thing that made me iconic is the thing that's poisoning me now. How to progress without hating things you've done is, wow, that's a big challenge. All while going through like self-discovery, it's a big challenge to progress past your current situation in a positive way is really hard. So I don't ever want to blame porn. I don't ever want to talk badly about it. He made me feel like maybe I should quit and stuff. And like, he also like, he told me that he sometimes didn't want to kiss me when I came home from work. So like, made me like feel like a disgusting person. Cause I'm not disgusting. How could he not want to? If you had a child that wanted to get into pornography, an 18-year-old, of course, you would support them getting into it, correct? Yeah. You know, you ask the most like basic, arrogant, disgusting questions. I just need to let you know, like, you're a little prick, and you're lucky that I've even sat here this long and entertained this conversation. But yeah, I don't care as long as they're happy. But you ask all the basic, like, just so small-minded. Like, you're just very disappointing. I really thought that you would have something interesting to ask me, but you just asked the same questions I've been asked countless of times before. And I really thank you for your time. Thank you so much for interviewing me. But yeah, have a nice day. Can you give us an example of a good question? What do you think the meaning of life is? Ah, la libération sexuelle sans conséquence est un leurre. C'est bien de gagner de l'argent. Et c'est là que tu vois que... Parce que finalement, c'est quoi le vrai problème? Pourquoi elle regrette? Pourquoi elle ne se sent pas bien? Pourquoi elle dit que ce qui l'a rendu famous aujourd'hui est en train de l'empoisonner? C'est juste par rapport aux genres opposés. Il y a toutes les meufs qui disent « Ouais, je suis indépendante, je m'en bats les reins, etc. Nanani, j'ai pas besoin des hommes, etc. » Le seul truc qu'elles n'ont pas, ce genre de femmes, c'est la considération des hommes. C'est aussi simple que ça. Donc pour certaines femmes qui disent « Ouais, on n'a pas besoin des hommes, etc. » Elles m'ont l'air bien triste, les femmes qui réellement ont des galères pour pouvoir avoir une famille, trouver un homme qui aura envie de se poser avec elles. Parce qu'il faut y aller, là, les gars. Hein. Non, parce que se poser avec une actrice porno, les gars, faut avoir le cœur solide, hein, les gars. Hein. Donc, faut pas avoir trop d'imagination. Hein. Il suffit juste que tu aies vu un extrait d'un de ces films, ça va te hanter à vie. Attends, c'est normal, les gars. Les meufs, elles galèrent, les pauvres. Après, c'est leur choix aussi. Hein. Bon. Donc, non, les filles, ça ne fonctionne pas, le truc de ne pas avoir de conséquences par rapport à ce que tu fais. Donc, la dernière, là, elle est vénère parce que le gars lui pose une question qui est légitime, qui paraît légitime quand même. Hein? En gros, c'est des conséquences. Voilà, t'es à crise de pornographique quand t'auras un enfant. Bon, okay, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Non? Non, elle est vénère. Elle vénère, elle est très, 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 vraiment très, très petit. Hein? Small minded. Hein? T'es vraiment, tu penses très petit, toi. T'es pas très ouvert. Hein? Par contre, elle voudrait qu'on lui pose des questions sur la signification de la vie. Putain, waouh, ça c'est. C'est vrai que moi. Quand je me pose des questions comme ça, je suis là. Signification de la vie, mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? C'est vrai ça, d'où va la vie? D'où elle vient? Et alors, où est-ce qu'on va? C'est vrai que direct, je me dis, tu sais quoi, je vais poser la question à une actrice porno. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Non, ben chérie, on pose des questions aux gens dont on pense qu'ils ont les compétences. Hein, tes compétences, on a bien compris que tu avais certaines compétences, hein, que tu m'en exerbes de manière assez intéressante. Hein, mais je n'ai pas l'impression que tu sois la personne la plus adaptée pour répondre à cette question-là. Si tu voulais qu'on te pose une question du genre « Que signifie la vie ?» Quel est le but de la vie? C'était pas dans cette voie qu'il fallait s'engager. Donc les filles, elles veulent en fait choisir la facilité, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de compétences quand même pour faire des films porno. Alors oui, il y a un petit peu d'acting. Ça va, hein, ça va aller les gars. Hein. Mais soyons sérieux deux secondes. À un moment donné, non les filles, non, si tu as fait que ça, si ça tes compétences, personne ne va te prendre au sérieux. Ne le prenez pas mal les gars, ou les filles. Hein. Mais en fait... Forcément, le fait que tu te dévalues. Parce que les gens vont dire, ouais, ça veut dire que tu respectes pas les femmes que... Non, oui, en tant qu'humain, etc. Oui, voilà. Mais en tout cas, sur le marché du débat, le respect, je pense que ça va être compliqué. Et après, tu dis, ouais, mais c'est inadmissible. En fait, elle-même, elle se respecte pas. C'est pas nous, hein. C'est pas moi. Moi, je suis le messager, les gars. C'est pas moi qui ai fixé les règles. OK? Non, mais bon, voilà. Non, mais ce que je sais, Géraldine, bon. Moi, c'est pas. Elle se dévalue elle-même. Tu te dévalues,
qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ta valeur, la valeur de la femme, c'est ce qu'elle a entre les deux jambes. Donc si tu veux te dévaluer, après comment tu veux que les gens... Tu te dérespectes, comment tu veux que les gens après ils aient du respect? Comment ça peut être... Comment tu veux qu'après avoir du succès avec un homme, pouvoir le tenir? Et attends, c'est comme l'autre qui dit, ouais, mon gars, il veut pas... Alors moi, je la connais pas, mais apparemment, de ce que j'ai compris, elle a l'air d'être connue. Bon, et apparemment, si toi, tu la connais, je suis sûr aussi que tu n'aurais pas envie de lui faire un petit bisou quand elle rentre du travail. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, moi, je connais des actrices porno, elles se sont posées, etc., nanani, ou moi, ça ne me dérangerait pas, etc. Alors, déjà, premièrement, est-ce que c'est possible qu'une actrice porno, elle arrête le porno une fois que tu te mets avec elle et qu'elle soit sérieuse, etc.? Bien sûr que je pense que c'est possible. Est-ce que si jamais j'ai des options et que j'ai le choix, est-ce que je la choisirais, elle, au lieu de choisir une femme qui sait respecter? Je prendrais la femme qui sait respecter, qui est capable de montrer son... En plus de montrer ses fesses et ses parties intimes à tout le monde, elle les a montrées en plus en performance. En performance avec différents gars, de différents calibres, de toutes les couleurs. À un moment donné, les gars. Hein? Alors pour tous les gars qui me disent, ouais, moi, ça me pose pas de problème. Moi, ça me dérange pas que tout ça, qu'à Chris Porno. Il y a un gars qui m'a dit ça. Alors pour ces gens-là, les gars, alors projette-toi. Alors ta femme, elle, hop, elle part au travail. Bon chérie, allez, salut, je vais au travail. Hop, elle revient. Déjà, t'as envie de lui faire un bisou déjà quand elle revient? Elle sort du boulot. Hein, et tu vas lui dire quoi? Alors chérie, comment ça s'est passé le boulot aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était pas facile. 35, 40 cm. J'ai réussi à... Parce que je me suis donné à fond dans la scène. J'ai réussi à... Ouais, c'était que de l'oral. J'ai réussi à tout prendre. Mais je peux te dire, Jéric, que c'était pas facile. D'ailleurs, je pense que je vais demander un arrêt maladie. Parce que là, j'ai pas pu. Je pense que ça m'a fait mal. Je pense que là, oh là là, c'était très difficile. Et tout de suite après, elle va dire, tu me fais un bisou? Tu m'as fait un bisou ou pas? Oh bah alors, voilà, là, mais tu attends, pourquoi t'es dégoûté? Pourquoi t'es repulsé? Comprends pas là, alors? Je suis ta meuf ou pas? Fais-moi un bisou? Hein? Ouais, tu me fais pas de bisou? Ça va, ils étaient juste 5 aujourd'hui. C'est pas comme hier, ils étaient 10. Ça va, hein? Bon, bref, les gars, trêve des plaisanteries. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si t'as pas aimé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mais évidemment, c'est pas des constructions sociales. Les hommes sont repoussés par les femmes qui ont connu trop d'expérience avec trop d'hommes. C'est comme ça, c'est pas une construction sociale, c'est biologique. C'est comme ça. Point barre. Donc je te rappelle, même si on est dans la rigolade, que cette chaîne quand même c'est fait pour les personnes qui veulent être déter et passer à l'action, changer leur vie, être indépendant financièrement, tiens, en même temps. Donc pour ça, il y a mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer la NAC, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est Zion, où je te montre comment devenir indépendant financièrement, t'as accès à toutes mes formations, du contenu exclusif sur le business, c'est à un prix super abordable. Clique sur le lien dans Zion. Tu peux même avoir accès à Zion via le CPF si tu le souhaites aussi. Tu cliques sur le lien pour prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Bref, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.